Madame, monsieur, bonsoir. Yon plaisir, on l'a fois encore pour entrer la KO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne qui c'est rendez-vous. Un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi et jeudi à ses premières éditions. Moi, c'est Jacqueline Belizer, avec un grand point et cap dominé actualité. Haïti a paré pour recevoir semaine ça un premier groupe policier Kenya pendant que les États-Unis, by police nationale là, disblendé pour faire face à phénomène insécurité. En République dominicaine, président Luis Abinader réélu pour un deuxième mandat 4 ans après élection générale qui déroulait hier dimanche là. Et puis leader mondial continue à exprimer condoléances bay pays Iran après la mort président Ebrahim Raisi dans un accident hélicoptère. Et puis procureur en chef dans Cour pénale internationale là, Karim Khan, mandé pour mettre mandat d'arrêt des premiers ministres israéliens Benjamin Netanyahu, ministre défense là Yoav Gallant et principal leader Hamas dans Gaza. Pour crime contre l'humanité. Et c'est pour ça yo avec l'autre corps que nous allons développer pour dans un petit moment et puis n'a pas rappelé que samedi c'était 26e édition Compa Festival et VOA Creole t'est débarqué pour te faire vivre moment intéressant ça. N'a pas commencé avec nous allons en République Dominicaine côté président Luis Abinader tant qu'au sondage te dit eh ben li remporter élection yo et il pral gagner pour et exécuter un mandat l'autre mandat 4 ans. Nous allons rejoindre Sandra Exil depuis République Dominicaine. Ambiance la rue Saint-Domingue pas changé après résultat élection présidentielle et législative là. Yon sondage yoté annoncé. Luis Abinader gagne en majorité voix yo et l'a continué diriger PIA pendant 4 années encore. Un meilleur résultat électoral respecto à l'obtenido en el año 2020 con más apoyo popular y con más votos. Attends yo gay en pile pour deuxième mandat présidentiel leader parti révolutionnaire Yowo. Abinader te aziré que c'est après le dernier mandat li malgré que élection législative yo poko fini. Parti révolutionnaire moderne qui sous pouvoir paraît comme parti majoritaire. Ça qui pral permet à Abinader avancer priorité législative li yo, là li commence prochain mandat li en août. Bataille contre corruption et développement touriste, ces points partisans président réélu yo, te prendre en considération pendant vote là. Détracté li yo, en pile là-dedans yo, c'est deuxième place ancien président Leonel Fernandez. Cependant, yo tout d'accord sous continuation politique sévère contre immigration haïtien yon. Donc c'était Sandrine Exil depuis République Ayo. Pendant ce temps, il y a certains leaders politiques dans le pays d'Haïti qui ont même qui t'a réagi par rapport à créer l'élection président Luis Abinader qui plaidait en faveur d'un changement vis-à-vis politique migratoire et République Dominicaine par rapport à Haïti. Wena Toussaint gain déclaration pour plusieurs leaders politiques. On a rejoint les députés Port-au-Prince. Ancien député Serge Jean-Louis qui dit préférence li, c'était Leonel Fernandez. Li était souhaité remporter élection 19 mai 2024 là, au lieu Luis Abinader. Parce que Leonel, pendant la période de mandat, on peut faire des mandats, si je ne me trompe pas, et Haïtien, pas dit qu'il n'y a pas de persécuté, non, mais on pas de au plus haut niveau que M. a fait des déclarations contre les immigrants haïtiens. Évolue en République dominicaine contre les Haïtiens émigrés en République dominicaine. Quand monsieur de comprendre, bon mariage qui nous fait entre deux peuples, bon mariage pas fait pour gagner deux problèmes entre deux peuples. Donc deux peuples condamnés pour vivre ensemble, ça c'est ton politique, Fernand Delvin. Ancien député Jean-Louis dit pas attendre rien sérieux. Non mais Luis Abinader, surtout à coalition haïtiano-dominicaine. Abinader, il y a des problèmes très sérieux. Par rapport au comportement, anti-haïtien, une politique de l'immigration anti-haïtien inhumaine. Bon côté parle, Joseph Jean Rousselet, porte-parole parti politique Innovation, salue victoire président sortant Saint-Domingue et Mandel, réorienter politique migratoire République Dominicaine à Haïti. Nous demandons pour président Abinader repenser sur relation Haïti à République Dominicaine, garder comment nous sommes capables de résoudre le problème ensemble. Sans savoir que nous pas maltraiter haïtiens qui vivent en République Dominicaine, sans savoir que nous pas humilier, nous pas mettre dans une situation côté que yo pas capable de circuler sans librement en dans pays en République Dominicaine. C'est créer condition pour yo vienne légal parce que tout pays si toutefois des possibilités pour immigrants légal créer possibilité, créer stabilité en façon pour moins haïtiens pas
trouver ou non situation difficile en République dominicaine. Plus passé 250 000 Haïtiens ont fait face à déportation forcée dans l'année 2023. Communauté internationale a dénoncé ça et qualifié démarche ça comme raciste et puis demandé la Dominicanie camper ça immédiatement. Ouena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. N'a quitté élection en République dominicaine pour nous entrer dans l'autre sujet qui a rapport avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Côté pays a préparé pour recevoir semaine cap vin là et donc contingent 200 policiers Kenya pendant que les États-Unis baillent plus passé ou bien 10 blindés pour faire face à phénomène insécurité. Nous sommes sur place en Port-au-Prince, Yves Manuel. 10 nouveaux machines blindées ça y est, arrivées dans Port-au-Prince à dimanche là. Réception lot matériel ça y est déroulé. En présence ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti, Denis Bruce Hanskins, 10 machines sa yo, selon police nationale d'Haïtien, visait contribuer dans renforcer capacité opérationnelle institution dans l'idée pour continuer bataille contre grand banditisme sous toute forme en de pays. Dans finissement cérémonie ça qui était déroulé dans aéroport international Toussaint Louverti, commandement en chef police la France LB profiter renouveler engagement la police pour établir l'ordre avec la paix publique en pays. Machine blindée sa yo rive, c'est vrai. Cependant, bandi yo, yo pa peur pour autant. Samedi que sot passe la, bandi armé yo, qui te gen gros matériel nan me yo, commence détruire prison civile Kwa de Bouquet. La veille, bandi armé yo lance yon attaque coordonnée contre coup de compte à contentieux administratif tout près par les nationales. Matériel sa yo rive, quelques jours avant déploiement première troupe kenyane dans le pays d'Haïti qui prévoit fait moi ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis l'autre point qui marque actualité à pendant week-end c'est fête drapeau, c'est comme ça différents secteurs dans la vie nationale là t'es défilé dans la rue pour commémorer 221e anniversaire drapeau haïtien samedi 18 mai Massado Vilmé a pour ramasser pour nous. Rassemblement Madame Sarah Yo Ramsa, femme engagée pour Haïti, c'est quelques secteurs dans la vie nationale pays qui étaient défilés dans la rue Port-au-Prince pour commémorer le 221e anniversaire de drapeau bleu et rouge haïtien. Coordonnatrice générale organisation femmes engagées pour Haïti, ancien ministre conditions féminines et droits femmes, Marjorie Michel, plaide en faveur de tête ensemble pour remettre le pays à camper. Sentiment patriotisme ça, qui te animé sur cette nouvelle pour nous arriver à l'indépendance, là, pour nous arriver à la création de drapeau ça. Sentiment ça, bon côté l'épuité. L'épuité et nous venons voir le monde, ça pas dit rien. Gen de moun c'est plus c'est dans mal là yo quoi c'est non fait payer en mal l'autre on paye ou gangsterisé ça y dit ou fait mal. Rassemblement Madame Sarah Yo Ramsa qui était allé dans même sens là quoi tête ensemble là c'est plus beau stratégie qui capable mettre sous pied pour retirer pays dans Kachouboumbe li plonger là. Jocelyne Jean-Louis c'est présidente Madame Sarah Yo. Nous devons batailler pour nous gagner un bon état de droit avec un état qui là pour défendre intérêt peuple haïtien sans distinction. Mais cependant, pour nous bataille ça, n'a besoin courage dans cette nouyo, n'a besoin tout unité pendant n'a prend protection pour nous pas vinn ennemi propre tête pas nous. Cependant, il y a même conseil présidentiel pouvoir transition docteur Louis Gérard Gilles qui était assisté à défilé élève l'école évangélique premier au Pèlerin commune Pétionville, dit conseil là travail pour répondre à revendication masse là. 7 février 2026, pour conseil à permettre, c'est un monde qui aime un pays qui comprend la nécessité pour bien l'école, qui pour combattre l'insécurité, pour nous retrouver, si Haïti chéri, Haïti m'terremè. Nous devons rappeler aussi en baptême, en rassemblé en bas de Rapon, 221e anniversaire bicolo haïtien, fêté à Nessa. Et puis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Filmé pour VOA Creole.
Merci, Marcel Ovilme. Il faut dire que il y a plusieurs côtés. Moun te kapabwe en pile festivité qui marquait 18 mai dans la diaspora et dans le pays d'Haïti. N'a bien pour nous retourner sur yo. Mais nous parlons international là, côté procureur en chef, cour pénale international là, Karim Ham. Eh ben, lui mandé pour mettre mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien et avec quelques chefs dans Hamas. Nous parlons ça, puis près. The following international crimes committed on the territory of the state of Palestine. Procureur en chef Cour pénale internationale Karim Khan présenté une requête historique avec un paquet mandat d'arrêt contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et ministre défense là Yoav Gallant et principal leader Hamas dans Gaza parmi yo Yahya Sinwar en connexion avec la guerre israélo-Hamas là et au parler de crimes contre l'humanité. On the basis of evidence collected, Karim Khan précisait là, bureau li kwe Netanyahu et Gallant doivent porter responsabilité criminelle pour crime la guerre et crime contre l'humanité qui gagne la donne kembe civilio dans grand goût comme une méthode la guerre et attaque intentionnelle contre civilio. Ces pays reconnaissent droit Israël tant que tout l'autre pays pour défendre tête li. Mais tout yo gagne obligation pour respecter droit humanitaire international. Officiel ces pays a dénoncé toute situation otage dans Gaza. Gen pile raison pourquoi que otage yo enlevé en Israël, la kayo nan communauté yo. Et ben yo kembe yo nan condition ki pas humain et en pile nan yo victime abus sexuel parmi yo viol à kidnapping. Cependant chef diplomatie israélienne nan dénoncé sa rele décision scandaleuse Cour pénale internationale là donc ce pays a ak mandat d'arrêt yo pour lui qui c'est un déshonneur historique côté lié et associé premier ministre israélien ministre défense là ak paquet monstre nazi assassin violeur groupe Hamas là et il finit pour dire Israël a goumé contre action ça qui voulait marimen pour pas défendre tête. C'est un gros point dans l'actualité internationale, là, surtout avec guerre Israël-Hamas. Là, nous parlons de l'autre point qui domine l'actualité depuis hier. C'est le leader mondial qu'on a qui continue à exprimer condoléances par le pays Iran après la mort du président Ebrahim Raisi dans un accident hélicoptère. Marie-Lise Pierre. Président iranien Ibrahim Raisi, ministre des Affaires étrangères Hossein Amiral Dolayan, a quelques autres autorités, ont été joints à mourir jeudi lundi à dans emplacement côté te gagne un accident hélicoptère dans nord-ouest Iran d'après sa média l'état rapporté. Équipe recherche te joindre débris appareil là jeudi lundi à un jour après hélicoptère a été fait accident dans mauvais temps tout près Varzakan dans province est Azerbaïdjan Iran. Média l'état a rapporté que les passagers ont voyagé après un événement qui était passé juste par l'autre bon frontière à Azerbaïdjan. Côté où tu rencontré avec le président Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, pour inaugurer un projet barrage. Aliyev a affiché une déclaration sur plateforme X. Côté lui dit, les bouleversés en pile par accident hélicoptère Résia, et puis il t'a offert la prière avec assistance lui, comme un pays ami et frère. Merci Marie-Louise Pierre et n'a retourné dans les célébrations bicolore haïtien, drapeau haïtien 18 mai qui se passait là et activité ça a mené nous dans pays la France puis précisément dans ville Paris avec Edouard Franklin Jedems. C'est année ça à Paris que fête drapeau a fêté plus d'une dizaine d'associations sans oublier fête officielle que l'ambassade d'Haïti en France l'a organisé. Non seulement qu'a fête les spectateurs voix de l'Amérique vivent deux cérémonies ou deux ambiances différentes. Une c'est cérémonie que l'ambassade d'Haïti en France l'a organisé dans la mairie 17e nan, à Paris dans salle Jacques Chirac là et l'autre cérémonie c'est cérémonie association Hibiscus qui est renommée dans organisation fête nationale yo dans pays la France. On nous jeter tout d'abord un coup d'œil dans cérémonie ambassade là. Cérémonie ça a été plusieurs diplomates, tant qu'un ambassadeur Espagne, Guy Lamotte, et un écrivain haïtien de renommée internationale, qui c'est Louis-Philippe d'Alembert, qui fait que se recevoir prix Goncourt de la poésie. Et l'autre invité d'honneur ambassade là, c'est un musicien de renommée internationale, un classique, un virtuose, qui c'est Bitova au bas. Ambassadeur haïtien, Jean-Joseph Pierre Daumé, a démarré cérémonie avec un discours qui t'a rappelé rôle et signification bicolore haïtien. Est le premier symbole de liberté et d'égalité face à l'esclavage et au racisme colonial.
Invité d'honneur est égal à événement protocolaire ça. Tu as une danse chorégraphie sous rythme folklorique haïtien, déclamation de poésie, passage de Louis-Philippe d'Alembert et un fameux concert de Bito Vauba. La joie te blaye dans les participants, même si pour un pile dans yo, c'est Haïti qui t'a souhaité pour fêter fête drapeau. Pour Bito Vauba, c'est pour cause à faire ça du tout. Il déclare il peur pour nation haïtienne, pas ta disparaître un jour. Je me sens que Mexten yo là dans un problème. Yo à fond dans problème pays hein? Parce que le drogue là pas qu'à rentrer aux États-Unis, c'est parce que les États-Unis contrôlent. Zam n'a pas qu'à sauter. Si zam n'a pas sauté pour devenir faire des ordres, la caillou me garantit nous t'as besoin, nous t'as résolu le problème là. L'important, je ne veux dire que nous prenons conscience de ça. C'est pas nos problèmes. C'est pas nos problèmes non. Nous c'est bon bagay, quoi dans tête nous recommencer conscientiser. Parce que c'est qu'on soit fondation. Yo la gena te plusieurs fois nous recampé. Mais prends compte de samedi jodi. Pour ces questions, on a un résumé de tout samedi. Prends compte de samedi nous jodi. Il y a des peuples qui disparaissent. Pavli a été disparu. Côté hibiscus, John Steele Brunache. Qui sent-il fier pour te venir représenter drapeau pays dans la ville Lumière, puisque lui-même lycée au monde qui chantait Lumière. Malgré tout, nous pas découragés parce que les bonnes paroles toujours finissent par gagner le dessus. Et même quand il y a un petit nombre, une petite quantité. Et c'est ça que je dis à nous, quoi, que eh bien, toute haine division qui t'a prêché a fini par se tomber. Mais pour parole de lumière, ça a été en l'air pour nous faire un pays plus bel. L'association Hibiscus t'a profité d'offrir une plaque honorifique à John Steele Brunache et aussi à Original H. Jazz Panam, qui t'a fini. Fête de la poire. James Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, Paris, pour la Voix d'Amérique, Créole. Voilà, c'était célébration fête drapeau dans le pays, la France, dans la métropole. Et où souvez-vous à créole? Vous avez suivi un programme dans la langue créole haïtienne? Et puis, 18 mai, VOA Créole descend dans Floride. C'était pour 26e édition Compa Festival. Toute équipe là, t'es là, nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis avec toute la tech, toute les collaborateurs. Célébrer fête drapeau. Une célébration qui justement déroulé sur tout un week-end, puisque depuis jeudi, t'es déjà gagné activité, mais main activité, hein, c'était 26e édition Haitian Compa Festival qui t'est déroulé dans Bayfront Park sous Biscayne Boulevard, justement, côté nous là. Effectivement, fatigué, t'es pendant l'appel, et bien, tout est préparé, au cas où uniforme qui est sur tout le monde, comment était bien habillé avec drapeau sur eux. Et c'est de façon qui était marqué 221e anniversaire fête drapeau haïtien. 26 ans depuis Noël, NCC Bon Production a réalisé un chaîne festival qu'on fait dans Miami, Floride. Si vous commencez à venir 3-4 heures pour vous danser et pour vous plaisir, les organisateurs eux-mêmes sont là depuis bien bon. Tout le bagaille. Dans la journée, nous avons quelque chose à parler avec Rodney Noël, l'un des organisateurs qui parle de plus de détails. Haitian Compa Festival, c'est un rendez-vous que tout artiste, musicien, jazz, promoteur, entrepreneur, et tout haïtien sorti tout partout respecté dans affaires, célébration, fête drapeau. Bonheur dans le matin, mise en place a commencé. Sous podium, là, tout le bagaille a checké. Son, lumière et puis sécurité, ça est très important. Pendant préparatif, nous avons rencontré avec moun qui déye gros événement qu'il tirait ça, qui gagne 26 ans depuis la fête Rodney Noël. 26 ans après, nous n'avons pas pensé que nous avons réalisé ça. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous établissons un événement dans la communauté haïtienne, côté communauté à Caruini, côté nous avons vendu notre image de ça que nous avons vendu à nous. Et sans tout en honneur, malgré les difficiles, et financièrement les tough, nous avons décidé pour que mes communautés décident pour me promouvoir la culture là-bas. Et pas grand rien facile dans la communauté par nous, surtout avec culture, nous, mentalité écrasée. Et au cas où tout dérapage, j'ai même 2-3 festivals dans le même week-end, j'ai même 5 balles le soir, sur son bail qui est vraiment inexplicable et intolérable en même temps. Depuis que j'ai l'opportunité, je n'ai pas d'opportuniste. Oui. Mais parfois, je ne connais pas tout, je peux déstabiliser un événement qui est établi. Parce que si que vous perdez comme vous arrivez dans le camp, et puis je t'ai souhaité que les gens qui ont fait des audios t'es couvert. Même des stations américaines qui nous font promotion, ils ont dit que c'est un plus gros événement haïtien dans le monde pour eux-mêmes.
nous fait billboard en trois années consécutives. Nous quoi nous fait li en 2001, 2002 et 2003. En 2001 nous était 8e sur 15e plus gros événement que fait sur tout États-Unis. Combien de monde en tout, en maximum 26 ans après, qu'on peut estimer pour mener là? En fait, de toute bagaille, ici, financièrement, les gens ont déjà pas de moyens d'achat encore parce qu'il est difficile. Parce que, bon, l'événement, il marche avec rapport et il est très relatif par rapport à l'économie. So, surtout, entertainment, c'est une dernière bagaille que les gens ont choisi après, c'est une sortie dans la maquette. Nous-mêmes, nous sommes gros victimes, tout le monde qui est dans le monde musique ou bien artistique, surtout, et qui target maquette haïtien. Le fait qu'on perdit Haïti pendant 6-7 ans, depuis 2016, business music haïtien a tombé, il a souffert parce que nous perdit Haïti qui était noyau business. Parce que Haïti, c'était 60% business qui était représenté. So, li affecté business là tout. Ça a diminué le chiffre d'affaires. L'année passée, nous étions à 10-12 000 monde, le chiffre était baissé. Mais l'année ça, nous avons qu'à sold out parce que nous étions dans un grand pile marché pressé. Drapeau n'a fêté là. Il y a petit mec 12 ans qui fait ici, je pense que c'est tout le monde qui fait ici. Tout. C'est fierté, c'est celle fierté, ça rien. Et je dis à ti haïtien qui fait ici, ou plus haïtien, et qui haïtien qui a vu la caille. Ils viennent développer un patriotisme extraordinaire. Et c'est ça qu'on pas festival représenté. Parce que qu'on pas festival, c'est bon festival, c'est un mouvement. Événement Haitian qu'on pas festival, ça a définitivement imposé dans le sud état Floride là, comme une référence de tout ça qui est haïtien. Le festival Musique Compas qui t'a célébré dans le contexte Fête Drapeau dans la cour Miami, c'est pas seulement artiste, musique, l'ambiance là qui était sous scène. Et ben à côté scène là, en dedans parc des fonds parc là, nous t'ai remarqué, t'es gon l'autre ambiance qui est plutôt commerciale. Nous est marchand, nous en pile marchand manger, nous est businessman entrepreneur haïtien qui t'ai vienne offrir service à communauté haïtienne ça qui t'ai fait déplacement en grand nombre. On a regardé ça de plus près avec Gentil Junior Augustin. Nous venons là juste pour nous capables de déguster ensemble avec la communauté. Pour manger la caille, pour nous capables de nous plus proches de la communauté. Même Jean-Coy, tu as bougé avec bon musique, 20 tu as besoin de remplir tout. Comme ça, nous t'es passé où il y a un machin de manger qui t'a servi les gens qui t'es venu prendre plaisir dans le festival. Nous avons le Canada, nous avons la France, nous avons Jamaïque, nous avons toute nation qui vient supporter. Nous avons Fruita, nous avons tout le bagage. Et on remet Grio. Et nous gèl la le remet pâté. Et on remet manger haïtien, tout manger haïtien. Dans journée côté tout haïtien qui pas vivre Haïti rassemblé pour qu'il t'y a, musique, danse et la trier. Mais en pile haïtien profiter dans occasion ça pour porter service à communauté. VOA Creole te parlé à qui haïtienne qui travaille dans domaine immigration qui te présent dans PAC là pour offrir service li. Bien, nous très contents là avec la communauté parce qu'il est important pour nous vivre dans la communauté pour nous parler ensemble avec eux, pour nous faire reconnaître qui est ce travail dans la communauté haïtienne. Nous sommes en avocat immigration, nous sommes MR et leur groupe, nous travaillons là, nous localisons nos fortes d'Aledal, nous avons un service sur l'immigration et nous faisons un service sur l'immigration que qui pas trop présent dans la communauté haïtienne, la communauté haïtienne n'a pas trop connaît de lui-même. C'est pas seulement ça fait manger, immigration, mais tout, même une institution qui dans le domaine santé t'a expliqué VOA Creole que l'hypothèse service médical là bay public là à travers une application. Donc mobile c'est une plateforme qui connecte patients avec docteurs. C'est-à-dire que vu situation, donc ça qui fait différence nous c'est que non seulement patients ont prendre consultation en ligne, lui a une opportunité pour nous faire requête pour que médecin à la caille patient pour le bay soins médicaux et aussi nous permettre que moun à l'étranger qui prend consultation pour famille en Haïti consacre yo ka loué docteur pour que yo pa gen pour gen souci pour payer frais et puis de là étant n'importe qui soin que yo besoin additionnel que c'est médicament que c'est suivi dans l'hôpital que c'est test nous gérer tout ça et si famille en diaspora veut faire ça donc les cas toujours lié opportunité ça pour prendre soin famille n'importe qui côté dans pays à distance. Compa festival c'est un rendez-vous chaque année. Tout haïtien toujours prend jour ça pour faire rencontre avec zanmi yo pendant y a célébrer bicolo national là une façon pour continuer voyer qu'il ti haïtienne nan pi ou. La 26e édition qu'on va festival là pas réussi à ça sans participation avec contribution artistique qui fait tout ça était capable pour animer public là. Et bien fanatique qui était bien content mais tout problème pays d'Haïti à tout il pas qu'il était indifférent. Glorieuse Nelson t'es pas là avec quelques familles, mais ça a été gagné pour dire.
Quelques artistes haïtiens qui t'a participé dans la 26e édition Haitian Compa Festival là, t'es partagé à Glorieuse Nelson qui Jean-Christ pays d'Haïti a affecté yo. D'abord, on a commencé avec chanteur Jean-Béloni Murat, alias Bello. Espoir l'a fini. Espoir, c'est nous qui avons créé. Espoir sorti dans nous. Qui c'est nous-mêmes qui dans la diaspora, ou bien nous-mêmes qui sommes dans le pays, ou bien si jeunes yo, l'a fini. Parce que de toute façon, ça me va dire engager moi-même seulement, il va engager médias ça. Pas grand haïtien qui a l'air, je veux dire. Qui tout bandit, qui tout grenègue, qui tout mulat, qui tout classe moyenne, qui tout malheureux, ou pas à l'aise. Pas de monde qui est à l'aise. So, abrivons-le, on a obligé d'accord pour nous reset le système, pour nous créer une condition pour nous vivre. Emmanuel Oba, beaucoup de parle, chanteur groupe musique, musique, lui-même garde la crise à Haïti avec un autre jeu. Mouvement comme fait que les Haïti à la son, fait que ça que nous connaissons. Que ou doit engager, moins doit engager. Engager, c'est un plein crier, non, parce que nous faisons vina crier. Bidou a fait musique en 85 qui est la gueule. Jodi, en 2024, la gueule là aussi valable que l'an 87. Mais imaginez, ça veut dire que nous pas améliorer, sinon que nous régresser. Donc, si vous pas engagé en la société, ou pas qu'à demander pour un changement, soit plein, ou pas fouer quoi on a pas politique là, vagabond à plein. Il a choisi pour vous, il a décidé pour vous, et il a bon ça y ouvre. Il a volé ou pas gagné ou qu'a fait que subir ça ou faire. Engagez-nous, prends poste, fouez quoi dans la politique là. Dis non, le ça, ou a gagné moyen ou dis attention, ça va bon, n'a pas changé. Pour Chel Guillaume qui est bloqué aux États-Unis depuis février, bien dit quoi, crise là, pas dire trop longtemps et que il est pour responsable de une solution. Bah, c'est difficile, nous tous dans la même situation, nous sommes à l'étranger. Tout la même situation parce que nous chargeons la famille en bas. Moi-même, je suis en Haïti. Il est 18 février, il est 19 février, nous sommes en Haïti et le pays a bloqué dans le jeudi. Nous sommes en mardi, le pays a bloqué dans le jeudi. Donc ça veut dire que nous tous avons travaillé, mais nous voulons tourner dans le pays, nous voulons vivre dans le pays. Nous avons un petit espoir, nous avons un petit espoir que nous ne pouvons pas combien de temps ça prend, mais nous avons un petit espoir. Nous avons découvert tout un jeune artiste haïtien qui est de King Street. Qui n'a pas gagné longtemps depuis la vie aux États-Unis. Mais même comme artiste, King Street, je ne sais pas pour l'autre, mais même pas fêter. Parce que je ne sais pas si je suis content fête. Parce que je pense que fête là, c'est quelque chose lié. Pas un fête. Je dis, ok, 18 mai, on son date pas lié. Mais pas un fête. Pour moi, même pas un fête. Ou est-ce que je ne pas un fête justement par rapport à ce qui a passé en Haïti? Hein? Ouais, pas un qui est content. Mon frère, je ne suis pas content. Parce qu'en bas, je papa en bas, tout le monde en bas, famille en bas, amis en bas, l'autre patrie, tout le monde est content. Tout le monde a caché. Pas un fête. J'ai remarqué que les célébrations fêtes drapeau dans la diaspora en général sont gros causés. Effectivement, moi j'ai rencontré des gens qui sont partout dans l'Amérique du Nord, j'ai rencontré des gens qui sont au Canada, j'ai rencontré des gens qui sont sorti Georgia. Malheureusement, mon Haïti n'est pas capable de déplacer, venir célébrer, venir fêter fête drapeau dans le Haitian Festival. Je n'ai pas de temps pour faire ça. Mais les gens qui étaient là, ils ont amusé, ils sont capables. Malgré tout, ça va empêcher que l'équipe soit déposée. Déjà se déposer franchement du CGE et faire la sécurité très satisfait. Même les gens qui ne sont pas satisfaits à 100%, parce que les artistes que nous avons été, mais que malheureusement, quelques raisons, ils ne sont pas présents dans le moment. Mais quand même, nous pensons que c'est parti au ministre l'année prochaine, la plus bonne toujours. Tout à fait. Je souhaitais combien qui t'a regardé ou satisfait de différents reportages que nous présentons. Vous remarquez que nous présentons en bas une chaleur, un soleil, une chaleur intense dans Miami. Un chaleur qui a avoisiné aux environs 90-92 degrés Fahrenheit. Vous avez remarqué que presque nous tous là nous mouillons en sueur. De toute façon, avec toute l'équipe technique VOA Creole qui est sous place dans la Cour Miami, nous vous remercions encore une fois. Nous allons rejoindre Jacqueline Bélizère depuis le studio nous dans Washington DC. Nous disons gros merci à Valério, Saint-Louis, Glorieuse Nelson, Jean-Robert Philippe et nous pas oublier l'équipe solide qui était derrière en parlant de Gary Altidor, Fred Kaimit, Gentil Augustin Junior, Monsieur Jean-Marc Hervé Abela, Creole parler, Creole comprendre. Mes amis, c'était ça, VOA Creole te descend et nan Miami pour 26e édition Compa Festival là et n'a là encore l'autre année et tout côté gain événement et ben VOA Creole toujours présent, c'est Mac Fabrique nous. Donc, restez toujours branchés sous VOA Creole pour qu'on tout ça capable passer, surtout avec Fête de la Voix. Mes amis, c'est là, nous mettez fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous remercions Chang Wang, qui derrière, Nelson Neg, qui remet musique haïtienne, on ne peut plus, et puis toute notre équipe là, et puis, dès jeudi, nous tout annoncer que, chef service nous a retourné, Sandra Lemaire, qui a retourné, je n'étais bien songé, nous souhaitons que, là, content tout, retrouver nous. Moi, c'est Jacques Le Bélizère. Bonsoir et
à demain. Dit que chaque côté c'est pour l'État haïtien lié. Moi rete quoi que Edgar Leblanc fils lui-même en soi, li t'a doué avec toute délégation concernant, yo t'a doué à célébrer fête drapeau dans Arcaye. Alors ce que c'est pas même là y aller, yo rete dans village d'accueil ou le qui yo t'a allé Arcaye. Ça montre qui ça, ça dit qui ça, ça dit que Arcaye, ils sont trop perdu. Ou dis-moi, est-ce que ça, Edgar Leblanc fils a dit à contraire avec réalité? Qu'est-ce que tout le monde tout le monde sait que les gars dit à réalité différent. Avant, les gars dit que les trois perdus, mais c'est menti. Parce que regardez que bandit 400 maos ont crasé commissariat, crasé prison, dans même journée que Edgar Leblanc fils a dit que les trois perdus, ou est comme si bandit encore a avili, encore a désapprouvé, encore a mis à chez nous. Autorité policière, mais autorité n'a plus au niveau dans l'État. En même temps, on a dit que la police nationale d'Haïti continue à recevoir un lot matériel blindé qui pral permettre que y aura possible avec bataille que y a mené contre ce gang armé en pays. Mais qui m'ont dit que Blaise a désir, est-ce que selon nous-mêmes, qui bataille que la police mène déjà, comme si commence à mener pour que, ou t'as dit que pour qu'elle continue à mener? Parce que, jusqu'à présent, en bas la ville l'a arrêté sous contrôle bandit armé. Jusqu'à présent, go pa ket bois l'État qui beaucoup j'aime capable d'ouvrir. Et tout pendant le week-end, bandit a déchirbillé local coup de compte dans la rue de la Réunion. Et qui a quelques pas de palais national. T'as bien? Nouveau local coup de compte dans la rue de la Réunion. C'est quelques 6 cm lié avec Palais National. Elle dit, pas gagne, non, pour empêcher que Bandio alpille et coude à compte, non? Et vous entendez que, de l'égard que, oh, pas gagne de territoire perdu et pas gagne de côté perdu. Ouais, c'est menti. Et pourtant que, en plus, on a dit que, est-ce que ça gagne là comme problème, non? Comme vérité, hein, comme réalité, hein? C'est qui est-ce qui va le résoudre? Li? Et combattant qui lançait Léon Charles, avec actuel léger qui l'a, qui c'est France LB, par rapport avec question irresponsabilité que France LB lui-même, que le dégagé, n'en je que le pas agi envers Bandio. L'abdi des Ibenes, que la question qui est pour avec des paupières, moun qui pral faire partie, en dit moun qui pral faire ministre payan, n'apprenne que moun kal dépose pièce duo et ça qui est écrit en ligne. Mais ça qui fait inscription en ligne, li plus que 200 moun kal déposé bien sûr. On ti paye des ordres, on ti paye en style, on ti paye qui croit que chaque grain est capable de faire écoute. Parce que Haïti nous sommes bécaniers, Haïti nous c'est on pas connaît. Bon font écoute la donne. Que l'autre je dis c'est ensemble de points ça yo, bon côté pam que m'a annoncé nous que nous gal parler et monsieur est certain bon côté des Ibenes que le gars des points que parler. Deuxième manière qui frère. Mais situation non toujours là d'après Gifon, moi content rejoindre dans Calfou vérité à côté nous pour partager vérité avec amis internautes qui cap garder cap tander tout partout à travers mes sac nouvelles Blaise Info pas une nouvelle votre Calbas Info Racine Nouvelle Haïti. Nous disons bienvenue dans Mita Kafoua. Pour améliorer sécurité aéroport international Toussaint Louverture qui trouvé dans Port-au-Prince. Mais ces dames qui dans administration publique là qui veut dire l'État haïtien, t'as fait quoi que ont déjà dépensé plus passé 2 millions de dollars pour dédommager résidents dans environ 187 cailles qui étaient tout collés à piste aéroport international Toussaint Louverture là. Et on fait quoi? Il y a 500 autres cailles encore qui t'a dû démoli bandi exam t'est souvent utilisé pour ouvrir coup d'âme sur aéroport Blaise Peterson et amis internautes qui branchent tout partout. Yo plan investissement pour reconstruire pays d'Haïti. Présenté 17 mai 2024 là, représentant américain John Chakowski a co-président groupe travail pour Haïti à Sheila Chenfis et Yvette Clark proposé un plan pour reconstruire Haïti. Proposition ça a relé plan investissement l'ouverture c'est un programme développement qui pral coûter 50 milliards de dollars. Sous 10 années, les Vitessons. Ça, il déjà assisté de gros débats. Il permet, en plus, on a posé cette question. Est-ce que pas vraiment, il y a un plan là, que les États-Unis, qui a manigancé, pour qui ça? Il a pratiquement déjà dit, mais aucun plan,
plan d'investissement pour reconstruction pays d'Haïti. Est-ce que Kounia nous pas qu'a dit? Est-ce que nous n'avons pas conscient que nous avons crasé Haïti? Il y a un nécessaire pour Haïti de reconstruire. Dis-moi ce désir. Est-ce que ce n'est pas un plan tout là dans New York, comme si pousser de tout Haïtien et puis bah, il se passe pas pa non? Parce que pas oublier. Il y a un ensemble de prédictions qu'a fait sur les États-Unis. Jusqu'à présent, Haïti est ton pays. Malgré tout ça, n'a pas passé là. Haïti est ton pays qui a pile potentialité. Et on a dit ça comme si que. Et go pas quel bagage qui caché ce que caché dans Haïti. Et pas comme si go qui man étranger l'Américain qui a acheté en Haïti. Ah oui! En Magonza, go pas quel étranger la capacité en Haïti. Posez une question, madame Boukisa. En avance, c'est désir. Très bien. La Cour des comptes servit comme cible bandit en l'autre fois. Blaise Peterson. Dans la journée 19 mai, bandit au parti span, fait coup de zam chanté dans l'espace là, côté à côté, aller ensemble des objets, des valeurs qui gagnent dans l'espace là. Donc, vous dire qui a quelques mètres de palais national. Si ça, ça veut dire pour autorité yo qui administration publique là, qui ça veut dire pour recommander la police et conseiller présidentiel yo. Si n'a regardé ensemble prison qui pratiquement dans juridiction quoi des bouquets que nek exam dans vivre ensemble 400 marozo a crasé pack en pack qui ça France LB dit ensemble matériel qui vini yo. On l'a de 10 blende pour journée 19 mai 2024 là. Et dans 18, te gen un avion qui te atterri avec plus passé et de l'autre blende qui te vivé en dans pays ya. Est-ce que blende ça ou pral effectif tout bon vrai pour aider la République sorti dans sa liye ya? Et discussion toujours été souvini mission multinationale là. Côté l'opposition au pays Kenya fait recours à travers la justice pour dire non avec déploiement mission cela en dedans pays a. Mais gouvernement Kenya bail des garanties dans fin mois de mai a gagné premier groupe là de rentrer en dedans pays d'Haïti pour venir accompagner la police dans résoudre problème de sécurité a. Et Kounia haïtien qui intelligent déjà posé question les personnes. Est-ce que venir force là pour permettre que la police li effectif permettre que la police li efficace parce qu'avec on est en cours France LB incompétent, qui chargé avec laxisme à la Kaili, qui pas assumé responsabilité, yore comme complice, qui peut mettre ensemble des brigandes sa yo, a fait en dedans pays. Chaque conseil présidentiel yo, à travers discours yo, à travers parole yo, yo chaque yo gon direction qui yo pralé. Ça quoi c'est dialogue, entente, ou bandi yo remet zam qui nan men yo, ça quoi c'est la police qui pou prendre responsabilité pour démanteler bandi, c'est position yo chaque, les personnes. Nous allons regarder ensemble pour ça. Avec les amis internautes qui nous ont tout partout. Quand regarder l'émission, ça, nous avons mis fois. Merci pour ça. Et, je connais ce que quelques amis en bas, je désire venir et pour nous donner quelques salutations, s'il possible, en bas, et puis pour nous venir avec Louis Gérald Gilles et puis Edgar Le Bluffis. Et s'il le faut, il y a d'autres acteurs qui nous venir avec vous. Et dans le cas de l'émission Calfou Vérité, pour qu'ils soient capables de découvrir et vrai visage caché dans ce qui comme réalité. Et la question politique en Haïti. Ma connaissance, il y a quelques examens à jour où tu as appelé. Ok, vous savez, les yeux. Très bien, nous allons faire ça bien rapide. De Blaise Peterson pour nous voir Big Up by ensemble, les amis. Qui fait nous confiance, Takou, Marie Nozifor, Marie Jasmine, qui toujours a cherché qu'on est comment nous y est, comment est ta santé à elle. Tout que nous retournons, nous là, nous pouvons finir en forme, mais nous tournons pour nous venir servir, les amis internautes qui ont pris tant d'informations et analyses. Nous saluons les users qui empilent, qui toujours regardent ensemble des émissions. Janine Petit Homme, merci, nous content parce que toujours là avec nous. Mimose Jean-Charles, merci en pile. Nous saluons Nerlin Pierre-Louis. Merci à pile pour écouter. Nous saluons Jean-Robert Latou, Negro Kai. Nous saluons également Edna, et Papa Le Monde qui croit. C'est comme ça, moi, non. Nous disons merci à pile parce que ou toujours avec nous. Et nous saluons Marie-Jasmin. Merci parce que toujours fait la route avec nous. Leslie Jean-Baptiste. Merci Leslie. Nous saluons Louis-Franck qui toujours avec nous. Elino TV. Wendy Wool, merci un pile Wendy, nous content parce que vous faites la route avec nous, ça fait nous grand plaisir. Nous saluons également toutes les amis qui gardent l'émission, qui quittent un commentaire. Si nous pas arrivé sous nom, si nous pas salué dans le commencement, c'est pas parce que nous ignorons et écoutons, nous privé sous nom dans mi-temps ou bien dans fait émission en blessure.
Effectivement, les Ibénès, nous arrivons sur nos mounsa, on en fait émission, ou bien on mette émission, hein. Pendant que l'a demandé chaque grand monde qui prend le temps de là, on a commencé avec un acteur court et lui, Gérald Gilles, et que nous prenons le temps de, à l'occasion 18 mai 2024, là, qui se marquait du 21e drapeau noir, et drapeau, ça qui symbolise fierté, dignité de chaque grand haïtien, et nous allons mettre une capable de temps de, et, lui, Gérald Gilles, et puis, comment que lui, Gérald Gilles lui-même, comme conseil présidentiel, comment qu'il comprenne sa gain là, intervention parle, l'exi parle, et comment que un acteur coup, Edgar Leblanc fils n'est bon côté parle, parce que c'est comme d'a dit que, oui, c'est de conseiller, est-ce que t'es obligé de gagner, bon, même chose, Garbaboué, on pense sur aller dans le nord, on pense sur ici, et on pense sur flâner dans, presque dans tout pays de ville, comme si, pour montrer nous comme si que, n'est-ce encore, malgré yo c'est des autorités, malgré yo c'est des petits présidents des deux conseils là, mais n'est-ce que comme si n'est-ce en campagne. Nego en campagne, c'est comme si c'est militant, c'est dirigeant de parti politique. Mais c'est qu'on dit, et pas dirigeant pays qui est. Que je dis, Nego, c'est de dirigeant pays d'Haïti. Je dis, toute décision qu'a pris, qu'a signé, l'a signé par Nexa ou par conseil présidentiel transition, et pour signer, et pour décider. Et puis je dis, on est, Nego, comme si Nego en campagne, comme ancien sénateur qui est, c'est comme si Nego prenait l'élection. En tout cas, on va mettre dans des logiques agiles, et après ça, on va venir avec Edgar Leblanc fils et de l'autre acteur qui est capable d'entendre. On vient avec le Gérald Gilles. Et pour ne pas permettre mon temps de très bien le Gérald Gilles dans l'intervention de Desi Venez, parce que ça, c'est vraiment important pour que les amis soient capables d'attendre. On est avec le Gérald Gilles qui, lui-même, a parlé là dans le micro de la presse. Et dans l'occasion 218e, 221e anniversaire de la Pôle Noire, parce que là, c'est vraiment important pour nous garder ça. Desi Venez, on va avancer pour ne pas tourner avec le Gérald Gilles. Très bien. Moi, je pense que. Nous avons capté accueilli, monsieur Damio, monsieur, disons, dans le discours, ou après que des gens qui battent bravo, qui apprécient ça, docteur Louis Gérald Gilles dit, pour d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Louis Gérald Gilles a un discours qu'il a là. Depuis après, on a fait une kidnappée, il était estimé qu'il était joué un traitement particulier par rapport avec l'autre monde qui ont kidnappé, nous tendez qui ont violé, yo brûlé, yo fait toute qualité exaction sur yo, mais les mêmes capables là, c'est différent. Ça permet sans doute qu'elles font l'autre lecture de ça qu'elle a vive ou bien de ça qui gagne en dedans le pays là. Qu'il y a directement avec question kidnapping là. Je pense qu'il est important, qu'il est nécessaire pour nous permettre au moins que les amis internautes yo y attendent et qu'on ait qui ça que lui Gérald Gilles gagne. Et puis, qu'on y a tout qui s'en veut poser tête, c'est la présidence unique. Comme, dans le temps normal, nous t'avons dit le chef de l'État. Pour qu'on y a, c'est les chefs de l'État. Parce que c'est neuf petits présidents. En particulier, il y a un monde qui a dit non, c'est sept. OK? Il a dit non, c'est sept. Ou pas qu'à 19. Parce que c'est sept qui ont droit de vote dans le conseil là. Mais, pour qui ça, discours, a, li pat yon discours unique, ou te wè Edgar parler, ou te tende même discours, ou te wè Dr. Louis Gérald Gilles parler, ou te tende même discours. Ça veut dire chaque nèg yo, yo entendu vous faire affaire pa yo, parce que yo chaque yo sorti, non parti différent, lè a parler, ou pa wè son conseil présidentiel, l'a parler, bien sûr, de son. En mène avec Louis Gérald Gilles. Tout ça dans l'histoire qui te permet de te créer un acaïe drapeau si là. Donc, il est important pour nous donner une précision tout. Là, nous dit président du Gérald Gilles, m'a corrigé pour nous son conseiller président. C'est vrai, je dis à mon président, dans tête conseil présidentiel là, et m'a marié nom avec nous. C'est président Edgar Leblanc, fils, ensemble avec toutes l'autre, huit l'autre, disons sept l'autre, conseiller président, pour me rappeler nous. Doléance, madame Laurence Obaila, sous problème l'école là. C'est pas président Gérald Gilles qui va le penser sous lui. C'est conseil présidentiel là. Parce que nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, là, on réflexion toujours fait. Le gros problème pays a traversé jour et jour, c'est le problème insécurité.
C'est ça le problème bandi. Problème moun qui prend on parti dans Port-au-Prince pour yo. Nous même dans conseil présidentiel là, nous dion bagay qui capital. Jodi an, nous dion c'est chita pa les liye.